Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un beau tuto sur Farming Simulator 22. Donc je vais vous montrer comment fonctionne le Dryad Corn Add-on, donc pour faire du maïs séché. Donc quand vous êtes dans le menu principal du jeu, donc il vous suffit d'aller dans contenu téléchargeable, ensuite il vous suffit d'aller dans la catégorie gameplay il me semble, voilà, et ici vous avez le Dry Corn Add-on. Voilà, donc pour cela c'est vraiment très simple, il vous suffira de l'installer et moi je vous dis à tout de suite sur le jeu pour vous montrer comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Allez, nous voici in game, donc je vais vous montrer bien évidemment toute la démarche à suivre pour que vous puissiez utiliser cet add-on. Alors bien évidemment il vous faudra ce grand silo et ensuite il vous faudra, vous voyez, ce silo de propane. Alors comment ça se passe, vous voyez ici vous allez dessus, donc vous avez propane ou méthane, donc bien évidemment il vous faudra acheter du propane. Rassurez-vous, les prix sont vraiment corrects. Donc je vais vous montrer comment l'installer. Alors comment ça fonctionne, alors c'est vraiment très simple, vous allez voir, déjà il vous faut impérativement du maïs grain, donc du maïs récolté à la moissonneuse batteuse et non à l'ensileuse. Donc ensuite, pour acheter le grand silo, vous allez dans production, vous allez dans la catégorie usine, et vous voyez, hop, il est ici. Vous voyez, moi je le place là, bon je vais pas le placer puisque j'en ai déjà un. Ensuite, pour acheter le silo, donc il vous faudra aller dans la catégorie bâtiment. Donc vous allez dans conteneur. Vous voyez ici, hop là, alors attendez, je me suis trompé. Donc dans conteneur, vous voyez ici, vous avez un grand comme celui-ci, hop, un grand comme celui-ci et le petit comme le mien, vous voyez. Donc au total ça vous fera 155 000 ou 160 000 euros au total. Ensuite si vous voulez le point de vente, alors pour le point de vente c'est pas compliqué, il vous suffit d'aller dans la catégorie production, point de vente, et vous voyez qu'il est ici. Donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter, hein, c'est pas obligatoire. Donc ensuite, alors il vous fera mettre du propane. Donc ici il vous fera, vous voyez, l'acheter ici. Donc moi je viens de le faire, donc du coup, mais rassurez-vous, ça coûte vraiment pas cher, c'est à hauteur de 700-800 euros. Donc c'est vraiment pas cher, donc en fonction bien évidemment de la difficulté de jeu que vous avez choisi. Donc ensuite le propane, il faudra venir le mettre ici grâce simplement à une citerne, donc que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc vous allez ici et ensuite vous allez dans la catégorie divers. Voilà, donc vous voyez ici vous avez la Lizard MKV3 et la MKV2. Donc ensuite bah, c'est vraiment très simple, grâce à cette citerne vous l'achetez là-bas, donc vous chargez dans le petit réservoir et vous venez le déposer ici. Donc ensuite comment ça se passe, alors vous voyez ici vous avez maïs et dryad corn, donc bien évidemment moi c'est du dryad corn qui m'intéresse. Ensuite vous voyez ici vous avez, alors acheter, alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez le vendre. Alors moi ici en l'occurrence sur la map The Old Trin Farm je peux ne le vendre qu'à Orternburg. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller au point de vente et puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça y est, donc moi sur la Old Stream Farm il a fallu que je me rende ici tout simplement, donc je vous montrerai la démarche à suivre si vous avez besoin d'utiliser un train. Donc bien évidemment vous déversez dans le silo, ensuite moi je vais aller chercher, louer le train qui est ici. Voilà, donc normalement il devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, excusez-moi, le train est enfin arrivé. Donc pour cela bien entendu il faut le démarrer, avancer un petit peu, hop là, voilà, jusqu'à temps de voir la benne. Donc ensuite vous chargez, hop là, je suis un peu trop vite, donc ensuite vous chargez le maïs. Donc moi en théorie je ne dois plus en avoir en stock. Voilà, donc ensuite après vous mettez en vue intérieur ou extérieur, c'est comme vous voulez. Donc je vais vous faire un petit accéléré quand même pour vous montrer la démarche à suivre.
comme vous pouvez voir ici, je suis arrivé, le train se rend à présent à Rothenburg. Voulez-vous que le train vende la marchandise chargée à Rothenburg? Donc vous mettez oui. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné 27 384 euros plus 683 de récompenses de score environnemental. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, commenter, partager. Moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut!